peut-être autre chose que les jouets d'un vieux fou. Il nous a créés pour les reconstruire. Imaginez un homme de Néandertal qui a la vision de cette chose-là dans sa tête. Un flash de ville la nuit, avec ses mouvements et ses lumières. Il ne sait rien de ce qui compose cette chose-là. Il a juste une vision poétique, pleine de mouvements et de lumières. Il a vu une mer de lumière. Il ne sait pas faire le tri entre toutes les images qui se posent à l'intérieur de sa tête, comme des oiseaux. Aussi rapide et irrattrapable que des oiseaux. Pensées, souvenirs, visions. Pour lui, tout revient au même. Une espèce d'hallucination qui lui fait peur. C'est une vision de mémoire qu'a eu William Gibson en écrivant New Romancer et en inventant le cybersmith. Il a vu une espèce de mer des sargasses, pleine d'algues binaires. Et sur cette image, les Néandertaliens que nous sommes ont commencé à greffer leurs propres visions, leurs pensées, leurs souvenirs, des misérables brises d'informations. Mais aucun de nous ne sait ce qu'est une ville. Voilà le genre de choses que tu écrivais. Tu les écrivais tard dans la nuit, sur l'ordinateur. Et moi, je les trouvais le matin, en la nuit. Tu avais avancé dans le programme de ton jeu. Et moi, j'avançais dans l'écriture des monstres. Tu disais que tu étais dans l'éditeur du soir, dans la noire. Et moi, l'ordinateur du matin. Tu disais qu'on était les deux mondes. Tu te retrouverais tout seul. Tu te retrouverais tout seul. C'est la période où je te voyais partout, où je te reconnaissais de loin dans la rue. La période où je retournais dans tous les endroits que nous aimions. Le jardin des plantes, la ferme du bois de Boulogne, ce temps indiqué sous le Golden Gate, et qui me vaille, loin de son allié dans Vertigo. Je voyais quelqu'un d'eau et regardais les perroquets. Il était attablé, entouré de chèvres. Il était accoudé à la balustrade. C'était toi. Je m'approchais.
Quelqu'un se retournait qui n'était pas toi. Je comprenais pas comment il avait pu si vite prendre ta place. J'avais dû être distraite un moment. Un tout petit moment. Et là, ça m'a reconnaissé sur le réseau. Quelqu'un m'appelle. Je comprends que c'est toi, à des petits signes de reconnaissance. Un mot qui n'a de sens que pour toi et pour moi. Je l'interroge un peu, il te dérobe. Ça n'a plus l'air d'être toi. Et puis encore un signe. Est-ce que tu joues? Ou est-ce que tu te moques de moi? Un jour, c'est une femme qui a l'air d'en savoir trop. Elle a l'air d'en savoir long sur toi, sur moi, sur le jeu, sur tout. On correspondait dans la galerie des masques. Je lui demande de montrer les tiens. Et sur l'écran, je vois ça. Ibushima, toujours lui, fidèle arpenteur de la mémoire, a filmé les cimetières sous-marins. Avec Okinawa, les Japonais jouent leur sous-teishi, leur pièce sacrifiée. Ils devaient enfin payer si cher aux Américains la prise idée à Archipel, qu'ils reculeront devant le carnage d'un débarquement sur l'île principale et qu'une négociation de paix sera possible. La réalité, c'est un argument décisif pour les partisans de la bombe atomique. Sans la résistance d'Okinawa, il n'y aurait pas eu Hiroshima. Et toute l'histoire du siècle aurait été différente. Ce qui veut dire que jusque dans leurs détails, nos vies ont été façonnées par ce qui s'est passé là, sur cette petite île. Entre le moment où j'ai été ses parents et celui où je n'ai rien fait, je m'en suis donné la mort. Il se contenterait de répéter en boucle avec une obstination méritoire et probablement imitée. Mémoriser le passé pour ne pas garder le vote est une illusion du 20e siècle. Elle en parlait maintenant avec détachement, comme si elle avait atteint une limite. Au-delà, le jeu ne m'appartenait plus. Une histoire. J'ai su qu'elle passait des nuits dans la conversation avec les masques. Je lui demandais ce qu'elle cherchait, elle répondait la même phrase, bien sûr. Sur un temps qui me faisait croire qu'elle allait mieux, que pour elle au moins la guerre était finie. Et bien sûr, je me trompais.